Tu ne peux pas être en retard. Tu dois encore faire de la vis, donc plus vite. Monsieur Pitt, as-tu vu mes genèves? Tu n'es pas? Tu dis quelque chose? Allô, hôpital Saint-Amadeus? Oui, vous parlez avec la réception. Quel est le problème? Il y a un accident ici. Je peux réserver une chambre luxueuse et un bouquet de fleurs pour la patiente, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Ellen Varance est tombée des escaliers par accident. Elle a cassé les deux jambes, les deux bras, sa colonne vertébrale et son crâne. Je pense qu'elle a besoin de soins professionnels. Il y a déjà une ambulance? Oui, il est en route. C'est bien que je prends une chambre pour deux pour elle. Non, c'est d'une grande importance qu'elle se réveille dans l'idée d'être soignée le plus bien que possible. Ah, comme ça. Je peux vous aider avec tout ça. Mais la mutualité ne peut pas tout payer, monsieur. Ça va être très cher. Monsieur, je suis Dieu. Je peux tout payer. Si ça, c'est aucun problème. Quelles sont vos informations de contact? Votre numéro de téléphone, votre nom et adresse, s'il vous plaît. Je suis Gertien. Mon adresse est rue de l'église, 127 Saint-Nicolas. Et mon numéro est 04-727-727-27. Merci bien. Dans un jour, vous pouvez visiter la patiente si la condition du client la permet. Vous recevrez la compte dans votre boîte aux lettres. Je vous remercie, monsieur. Et peut-être à bientôt. À bientôt, monsieur Higgs. Donc, on va jouer aux cartes? Oui, tu divides les cartes. Ben oui, je divide les cartes. Donc. Et, que dis-tu? Je passe. Je passe. Je vais faire un solo slim dans les piques. Ok, je vous laisse. D'accord. Eh bien, Monsieur Hinz, que pensez-vous de la victoire de l'NVA la 25e? Je pense que Bart Weaver a très bien utilisé ma stratégie. Que dites-vous? Votre stratégie? Vous dites que Bart Weaver n'a pas inventé sa propre stratégie? Non, pas du tout. Tous les points de programme sont copiés de ma partie, l'Union sociale conservative, dans la micronation La République flamande. Et l'NVA peut faire ça. Mais oui, je suis leur adviseur le plus prominent et ils m'ont promis si qu'ils gagnent, je deviendrai le nouveau roi de la Flandre. Ah, donc, le son suivant, nous pourrons vous expecter avec un couronne. Oui, et pour célébrer cette occasion, j'ai une surprise sur l'examen. Ça va être encore plus difficile. Oh, mais non, monsieur. L'inverse est plus chouette, n'est-ce pas? Non, mon avis est incontournable. Dommage. Pour retrouver un topic un peu moins douloureux, que pensez-vous des autres résultats des élections? Donc, comme vous toutes savez déjà, je suis un conservatif et je suis très amusé avec ces résultats. Mais malheureusement pour Bern, le VB a perdu presque tous ses votes. Je le trouve aussi très bien que les partis traditionnels n'ont plus le pouvoir de former un gouvernement ensemble. Ça assure un nouvel ordre de pouvoir. Et ça c'est bien, pensez-vous? Mais bien sûr, les conservateurs sont le seul espoir du peuple. Eh bien, je gagne. Eh bien, juste à temps, il sonne. Merci pour le jeu, monsieur. Papa! Mais bonjour, Jésus, mon fils. Ça a été longtemps, presque deux millénaires que je t'ai vu. Comment ça va? Mais très bien, merci. Et avec toi, papa? Tout très bien, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais ici à Berger, mon fils? Ah, mais je suis descendu du ciel ici pour acheter un signe gros, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre raison d'aller au Berger, peut-être? Ah oui, j'ai entendu qu'ils sont très populaires là-bas. Comment est-il encore dans le ciel?
Oh, il y a une semaine, nous avons eu un problème grave. Les touristes maudits ont volé presque tous les cueilleurs d'or. Il y a aussi une querelle parce que certaines personnes veulent changer le fruit dans l'arbre de la connaissance. Il y a deux candidats. La pastèque, la cupidité, et l'abricot, la fierté. Sur le moment, la pastèque est en train de gagner. C'est bon. J'aime les pastèques. Il était temps que certaines choses changent là-bas. Je pense à faire une nouvelle version de la Bible. Les gens prennent tout trop à la lettre. Ah, ça c'est bien. Dites-moi à ce sujet. J'ai dit à Perséphone qu'elle pouvait aller au diable. Elle est toujours là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une bonne idée. Oups, il est déjà si tard, je dois aller au ciel. Sinon, mon riz au lait va être froid. Au revoir, mon fils. Peut-être nous nous retrouvons dans un millénaire. Au revoir, papa. Cher Jourdan, je porte beaucoup de secrets avec moi. Je vote pour NVA, ils ont aucune idée. Je peux faire le whist très bien, je suis le meilleur que je connais. Mais tout le monde le sait, et tout le monde sait que je m'appelle Dieu. Je suis méga Dieu, méga Dieu. Je marche toujours très vite et pousse tout le monde dans l'escalier. Je suis méga Dieu, méga Dieu. Contre noblesse, contre clergé, méga Dieu est toujours